En cas de nouveau combat pour le titre Verstappen-Hamilton, on a demandé à Wolf qui gagnerait. Il n'a pas répondu, Toto. Donc les actus du 2 mai 2023, il y en a 8. Ensuite, Red Bull justifie l'arrêt précoce de Verstappen à cause de vrilles à Bakou. Ils expliquent pourquoi ils ont fait ça. La fin des couvertures chauffantes en Formule 1 va-t-elle créer du chaos, des accidents? En tout cas, en WEC, c'est pas une réussite, visiblement. Il y a beaucoup de pilotes qui se sortent. Alors, Schumacher, la famille Verstappen fait du lobbying pour que Pérez soit viré de Red Bull. Ah, est-ce qu'il commencerait à être gênant, Pérez, pour la famille de Max, peut-être, hein? Bah oui, là, il a gagné la régulière encore. Piastri était dans le mal à Bakou, il a bien failli être remplacé, il était très malade apparemment. Une espèce de gastro. Ferrari va amener des Evo à Miami, bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les fans de la Scuderia. Wolff, on ne doit pas renoncer aux courses sprint suite au week-end de Bakou. Il y a peut-être quelques ajustements à faire, mais bon, globalement, c'était pas trop mal. Hamilton vise un nouveau contrat à long terme avec Mercedes, donc il n'est pas là pour rester un an ou deux, hein. Il vise plutôt 3-4 ans, lui, Lewis. Affaire à suivre. À demain.